Ça fait. Là, pourquoi t'as pêché ça? Ça fait 30 ans. D'accord. Tu me dois 50, ça fait 2 mois que j'attends. Ouais, mais d'accord, mon frère. Attends-moi que je viens, je te les donne, mon frère. Vas-y, Nasser, arrête de filmer parce que. Mais comment ça, arrête de filmer? Tu m'appelles? Comment ça, pas. Mais mon frère, ça fait 2 mois, il me doit 50 euros. Il a pris 30. Il doit 50 euros. Ouais, et là, j'ai pris 35. Et t'as récupéré 35 euros. Ouais, 35. Mais il m'a pas dit, il est venu dans ma chambre. Mais tu l'as pas prévenu d'avoir pris les 35 euros. Il m'a pas appelé. J'ai 27 ans. J'ai bientôt 30 ans. Je peux être père de 73 enfants. Je vais pas m'occuper de vos problèmes de 35, 50 ou 40 mais d'euros. Mais pourquoi il vient? On dirait qu'il me vole là. Il vient, il prend. Mais il te vole pas, tu lui donnes 50 euros. Je serais pas venu. Et il aurait pas dit. Et toi, pourquoi tu demandes pas? Mais je l'aurais dit juste après. Mais juste là, je les ai pris. J'en ai besoin. Mais comment ça, tu les prends? Voilà, j'ai une solution pour vous. Voilà, j'ai une solution. Ça y est, j'en ai marre. Voilà. T'es chaud ou pas? Mais bien sûr que j'ai chaud. T'es chaud? Ouais. T'es courageux? Ouais. T'as vu mon problème, j'en ai marre. Ce soir, toi, lui, combat de boxe. Non, combat de rue. Non, combat de rue. Combat de rue? Ouais. Non, combat de boxe. Combat de boxe. Combat de boxe. Mais non, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur. Bah, écoute, Esteban. T'en as marre de lui? Ouais. Il te menace souvent? Oui, il menace souvent. T'as peur de lui? Vas-y, arrête. Non. Un combat de boxe avec des protections. Oula. En vrai, vas-y, c'est bon. Et toi, y'a pas de combat de rue? Y'a pas. Là. Combat de boxe, t'acceptes? Vas-y, c'est bon, j'accepte. Vas-y. Lâche-le. Dégage, ce soir, tu vas voir. Ce soir, tu vas voir. 1, 2, 3. C'est mal. T'es mal barré. Attends, Ah, je sens que tu vas glisser. Tu vas recevoir. Vas-y. La France, il faut que tu le gagnes. Parce que sinon, toute la France, ils vont te regarder. Voilà. Attendez, les gars, vous êtes le côté français. Vous représentez la France. Et pour ce drapeau, tu comptes gagner. Mais tu vas gagner, mon frère. C'est la France. Tu te fous de ma gueule? T'es arrivé de Nantes en faisant du stop et avec ton vélo. T'as mis combien de jours? Je suis parti lundi et je suis arrivé hier. T'as mis une semaine? Une semaine pour venir de Nantes en vélo? Pour venir au quartier? Ouais. Et pourquoi faire au quartier? Pour te voir. Pour me voir? Ouais. T'as vu, mon nom des Algériens? Marche au crève, il faut pas que. Oh, on tombe pas sur le ring. Dizette, elle est Dizette. Nique le mot, direct. Nique le mot là-bas. Allez, les gars, allez, c'est parti. Oh, le combat, c'est maintenant là. Voilà le clan des Algériens. Allez, c'est parti! C'est parti! Regardez, il y a tout le quartier là, il va! lui, il est trop en train de faire le malin, voilà! Allez! Ah, ça va, même en vélo, voilà! Allez, là! Allez, on monte! Allez, c'est parti! Ah, on se rejoint là-bas, les gars, Voilà, ça va être un match d'exhibition. Et ça va être surtout un match encadré, encore une fois, par Hakim Amesh et par la salle UMB. C'est des professionnels. Vous êtes là pour régler des différends, mais dans le milieu sportif. Et personne n'est mieux placé que Hakim pour encadrer ce combat. Tranquille, ça va commencer, tranquille. Allez! Déclaré vainqueur
pour ce combat entre Esteban et 4 PDV. Esteban, mon frère, voilà, c'est vrai, Esteban. Tiens, demain tu vas t'acheter des habits. Okay. Oh, t'as pas une trace. Wallah, tu t'es battu comme un homme. Wallah, Esteban, moi ouais, j'étais mais pour il toi. A gagné. Je pensais que j'allais gagner et tout. Mais c'est rien dans la vie, il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Tu t'es pas entraîné, est-ce que tu veux ta revanche? Ouais, pourquoi pas. Eh, t'as vu? T'as gagné quelque chose, c'est le courage. Tout à l'heure, tu voulais pas combattre, maintenant t'es prêt à recombattre. Ouais, je suis prêt. T'as vu, t'as gagné quelque chose. Tu vois le délire ou pas? J'gagne. Donc, le mental, voilà. Et je peux te dire que t'as eu le courage de monter sur le ring, beaucoup l'auraient pas fait. Merci. Donc, t'as vu, t'as des trucs, va t'acheter des habits demain. C'est bon. Merci, Nasser. Franchement, Sabrina, je sais pas si t'es une adepte de la boxe, mais qu'est-ce que j'aimerais combattre avec toi? Ah bon, pourquoi? Ben, on combat où tu veux. Genre quand tu veux. Ah bon, ouais.